Rug cooking. You know that the art of rug cooking has been with Acadians for a long, long time, especially in Nova Scotia and in New Brunswick and in the east coast of the United States. So we try to give it a more, use the traditional technique, but give it a more modern and contemporary approach. As well, Léoqueuse Bordelot will be presenting two other exhibitions, one in Témiscouata in Packington, and one in Munston during the whole Congrès mondial à Cretien. So, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Puis je tiens à remercier Lorraine, qui a très bien travaillé, et puis naturellement, bien notre beau Fab de Jacques. S'il y a des questions, n'oubliez pas, si vous achetez votre livre aujourd'hui, 5 $ va aller pour le volet spirituel. Donc, on vous encourage de le prendre aujourd'hui. Après ça, ça va être le prix ordinaire. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence. Ça fait chaud au cœur de voir une salle aussi remplie. Et sachez que pour nous, c'est vraiment une prophétie qu'on souhaite qui va se répéter, se doubler, se tripler, se quadrupler et puis se multiplier continuellement. Et je compte sur vous, sur chacun d'entre vous, pour effectivement commencer à vraiment faire la promotion, particulièrement de notre messe du 15 août. C'est tellement essentiel. Parce que moi, je considère que si la messe n'est pas un succès, ça va pas me faire de la peine pour moi, ça va me faire tellement de la peine pour Léopold Charest. Parce que je veux qu'on le désappointe pas. Il a travaillé fort et puis donc Léopold, sache que tu nous as bien entraînés et puis on va tout faire pour que effectivement tout ce qui se passe sur le côté américain soit vraiment de haute qualité. Et puis je pense que l'une des plus belles découvertes qui vont être faites durant tout le Congrès mondial acadien, ça va être la découverte par plusieurs de l'existence de l'Acadie américaine sur notre côté. Et ça, je pense que ça va être un atout extrêmement important. Donc, à nous, Acadiens et Franco-Américains, de ne pas avoir peur de parler français. On peut avoir un accent, mais tout le monde a un accent. Et je dois vous dire que moi, je suis fier. Ça fait 3 ans que je suis parmi vous. Et je dirais que facilement, 70 à 75% de chaque jour de ma vie que j'ai passé avec vous, je l'ai fait en français. Donc, c'est possible. Mais je sais, c'est parce que vous n'êtes pas gêné et je ne suis pas gênant. Mais quand la visite va arriver, il ne faut pas être gêné. Il faut vraiment être accueillant. Et donc, j'encourage tout le monde de vraiment être présent à toutes nos activités. Faites la promotion pour le 15 août. Répandez la bonne nouvelle. Et puis, je vous attends tous. Et je veux, en dernier lieu, remercier d'une façon particulière, au niveau du volet spirituel, Lorraine. Lorraine a été extraordinaire. Je ne peux pas exprimer le support parce que des fois, on se décourage. Puis on a perdu beaucoup de volontaires parce que le monde était fatigué. Ça fait 3 ans qu'on travaille. Ça tire vers la fin et tout. Mais avec Lorraine, on a toujours une bonne piqûre d'insuline. Puis pour un diabétique, c'est important. Et je veux remercier Linda Cyr aussi, qui a été continuellement à nos côtés. On a fait tellement de voyages ensemble que je pense qu'on s'est tanné un de l'autre. On a arrêté de se parler pour un petit bout de temps, mais on reprend tout le temps la piqûre et puis on y va. Mais on a fait énormément de distance pour... Et puis, il y a aussi une personne qui fait partie maintenant de notre équipe. Et c'est notre ami Philippe
lent du Témiscouata. Philippe, tu n'es plus, je m'excuse de te le dire bien franchement, mais tu n'es plus un collègue, tu es réellement un ami. Et puis, merci pour ta présence avec nous, parce que sans toi, il nous aurait manqué là un filet vers le Québec. Et je dois dire que grâce à ton influence et tout, j'ai découvert Saint-Jean-de-la-Lande, j'ai découvert des coins de pays que je ne connaissais absolument pas. Je sais maintenant où Saint-Just existe, où il habite. Il y a toutes sortes de choses qui sont nouvelles. Et c'est extraordinaire, la belle région du Témiscouata qui est à côté de chez nous. Donc, Philippe, merci pour ta présence. Lorraine, est-ce qu'on oublie quelqu'un? Is the town there? Where is she hiding? As usual. Thank you for our town. Oui. Yeah. OK. Thank you. Et merci. Merci pour votre présence. Et bonne célébration à tout le monde. Donc, merci beaucoup. Thank you very much, Father Jacques, for this nice presentation. Merci pour cette belle présentation, puis j'aimerais aussi dire une bonne main d'applaudissement à tout le monde qui ont contribué, avec Jacques aussi. Alors, une bonne main d'applaudissement à tous ceux qui ont travaillé très fort sur ce projet. On vous invite à rester des nôtres, il y a un léger goûter en arrière. Puis aussi, demain, il va y avoir une présentation des hoqueuses du bord de l'eau, à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, à 10h, au PSL 105. Alors, on vous attend pour cette présentation-là. Have a great day. Thank you. Merci.